Allez, je fais 3, 2, 1, et puis c'est parti. Hein. 3, 2, 1... Partez ! Bonjour Nico Ciné, ça va ? Bah, on sort bien et toi ? Ouais ! Je sais pas pourquoi je crie. Nous allons parler, bonjour cher ami, d'un film datant de 1992. Ah oui, mais c'est... Ah oui, tiens, oh, j'avais pas fait exprès, figure-toi. C'est dingue. Mais t'es vieux. Oh oui, j'ai bientôt 20... Enfin, j'ai déjà 29 ans. Oh là là là, bon allez, bientôt la 30. Bientôt je serai en canne, hein. Bon allez, essaie de te calmer un petit peu, parce que sinon, on va jamais pouvoir rien faire. Non mais, allez, calmons-nous un petit peu, car nous allons parler du docteur Dolittle, ou d'Iron Man, mais... Iron Man dans la poussette. Nous allons parler d'Iron Man dans la poussette. Et Iron Man dans la poussette s'appelle Robert Downey Jr. Et il est interprété dans un... Bon, on va dire un biopic, mais on reviendra sur la forme sûrement que prend ce long métrage. Mais dans ce film réalisé par Richard... Oula, je vais avoir du mal. Attenborough, mais à mon avis, c'est prononcé très très mal. On demandera à notre ami professeur d'anglais Jude Melon, alias Julien, ce qu'il en pense. Mais donc, nous retraçons un petit peu la vie de Charlie Chaplin, grand acteur, grand comédien et tout ce que vous voulez, du 20e siècle. Et si vous n'aimez pas le cinéma, eh bien découvrez le cinéma avec Charlie Chaplin, qui vous donnera envie d'aimer le cinéma ou pas. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup. Et Nico, je vais te demander ton avis sur ce métrage que je crois t'avoir fait découvrir, mon pauvre, ou pas d'ailleurs. Eh ben oui, c'est un film que je ne connaissais pas l'existence, encore moins avec Robert Downey Jr. En premier rôle. Et c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Je trouve un Robert Downey Jr. C'est vrai, c'est Gérard. Excellentissime. C'est pas Gérard Jugnot. Un Gérard Jugnot. Oh, quel enfer. Bon alors, Nico, qu'est-ce que t'en penses de ce film? Donc... Voilà. Alors, les bronzés font du ski, ça t'a plu? Oh mon dieu! Oh. Alors Nico, t'as aimé ce film? Oh. 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 Quel enfer! Oh mon dieu! Ça va? Je te propose... On va recommencer. Et ben, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, que je trouve avec un Robert Downey Jr. qui est excellentissime. Après, je sais pas s'ils ont pris beaucoup de liberté ou si c'est vraiment la personnalité de Chaplin, le mec un petit peu arrogant et tout. Ah, et ben, oui. Je me suis dit, c'est le rôle typique qui va bien à Robert Downey Jr. quand on voit qu'il est assez arrogant en Iron Man, mais ce n'est pas forcément un défaut en soi, parce que je trouve qu'il joue très bien. Oui. Je le trouve beaucoup mieux dans ce genre de rôle. Bon, après, voilà, c'était bien avant, c'est ceci personnel. Oui, sûrement. Mais je le trouve extraordinaire. Il y a, tous les autres acteurs sont tous bons, notamment sa petite chérie qui est extraordinaire. La fin qui est incroyable. Mais il y a des petits mais. Ah oui. Par moment, ça tire un peu en longueur. Ouais. Ça tient un petit peu en longueur, tu dis, ouais, on aurait pu couper certaines petites choses, mais par moments, c'est drôle, c'est attachant, et ouais, c'est le genre de film qui fait du bien, et je suis très content de l'avoir découvert grâce à toi, parce que voilà, je savais pas son existence. C'est marrant, hein. Mais pourtant, voilà, moi, c'est typique dans les années 90, enfin, ça s'est sorti en 90, mais voilà, je trouve qu'en plus, il y a, par rapport à la mise en scène, c'est assez plutôt bien respecté pour l'époque. Donc, ouais, je trouve qu'il y a une belle mise en scène, il y a de beaux clins d'œil, puis, bref, c'est une petite pépite que j'ai bien appréciée. Et toi, du coup? Ah, bah, je suis content que tu l'apprécies. Tu te doutes que si je te l'ai conseillé, c'est que j'aime à minima ce métrage, hein, quand même, sinon, ça serait un peu bizarre. Je suis plutôt d'accord avec toi. Paradoxalement, c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu l'as un petit peu plus apprécié que moi. Moi, c'était un revisionnage, on va dire. Et alors, le film prend-il des libertés? Bon, là, pour exposer la question, je ne te cache pas que je n'ai pas évidemment connaissance non plus de la vie dans les moindres détails déjà de notre cher Charlie Chaplin.
j'ai un peu, bon, toujours une petite réticence avec le côté un peu biopic, parce que c'est un peu un biopic en soi quand même, même si la forme est assez astucieuse, hein, c'est-à-dire qu'en gros, bon, on comprend qu'on a affaire à Charlie Chaplin vieillissant qui raconte et qui retrace vraiment sa vie lui-même quelque part. Donc là-dessus, tu vois, je trouve quand même l'idée assez originale. Après, voilà, je te rejoins, c'est un aspect quand même assez feel-good movie, hein, je pense qu'il faut dire les choses, mais ouais, je pense qu'il y a un petit problème de rythme, hein. C'est-à-dire que ce film, pour moi, je vais être un peu, pas vulgaire, mais il est un peu imbouffable en une fois, enfin, c'est clairement ça. C'est-à-dire que, bon, je ne l'ai pas découvert au cinéma parce que je suis un peu trop jeune, mais à mon avis, c'est quand même bien d'avoir la possibilité de le voir en deux, voire trois fois, parce que le rythme n'est quand même pas ce qu'il y a de plus extraordinaire, et oui, ça traîne un peu en longueur. Il y a un peu ce côté, je sais pas ce que t'en penses, mais un petit peu clin d'œil à pas mal de ces grands films, et des fois ça s'enchaîne pas toujours très très bien, c'est un peu bizarre, on passe d'un film à l'autre comme ça. Il y a des transitions surtout par moment. Oui, c'est ça, tu vois. De scène en scène, il y a même des scènes, tu te dis, mais qu'est-ce que ça fait là en fait ? C'est pas spécialement utile, notamment c'est quelques scènes au restaurant. Oui, beaucoup. Ou une certaine scène où il voit une demoiselle dénudée. Hein, oui. Voilà, je trouve qu'il y a certaines scènes qui sont un peu inutiles, on va dire bon, prends ici, écoute, hein, voilà. Et après, je te rejoins pas mal dans le fait que, parce que moi je l'ai vu en trois fois, bon, j'étais un petit peu fatigué parce que c'était pendant ma semaine de travail. Ah oui. Donc peut-être que ça un petit peu jouer avec la fatigue, je sais pas. Mais je déteste regarder les films en plusieurs fois parce que j'ai l'impression des fois de mal suivre le film. Bon, malheureusement, bah, là je l'ai fait en plusieurs fois, et peut-être que le fait que ça me traîne un peu en longueur, bah ça peut. Ça m'a un peu fatigué en fait, ce film. Bah, c'est-à-dire que c'est marrant parce que tu parles, oui, de femmes dénudées, de scènes de restaurant. C'est-à-dire c'est bien une fois, c'est bien plusieurs fois, mais à un moment c'est un peu redondant. Mais je pense voilà. Que. Bon, tu parles en effet de scènes inutiles. Pour moi, le gros problème, c'est qu'il y a, il y a carrément des personnages qui sont inutiles et c'est un peu dommage parce que pour moi, le personnage de Charlie Chaplin, il est très très bon. Mais au-delà de ça, bon, quand t'as compris qu'il avait eu 46 000 copines, 46 000 copains, copines, bon, adversaires, pas adversaires, bon, oui, on a compris, quoi. Ça fait un peu beaucoup, peut-être. C'est un peu le problème, je ne sais pas, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment, on en arrive presque à... Enfin, moi, j'en arrive trop souvent à un peu me mélanger un peu les pinceaux. C'est-à-dire qui est son frère, qui ne l'est pas, est-ce que lui, c'est son pote. Pourtant, les visages et les acteurs ont quand même des physiques très différents. Mais à un moment, le problème, c'est que... Tu en arrives presque un peu à trop normaliser, enfin, c'est-à-dire que t'es un peu... Moi j'avoue que j'étais un peu perdu, et à la fin bon, t'as le fameux coup, j'aime pas trop, hein, mais de l'étiquette finale, où en gros tu résumes un petit peu ce qui s'est vraiment passé, ce que chaque personnage, blablabli, blablabla, fiche Wikipédia. Bah là heureusement que c'est là, parce que sinon le film est pas mal, mais tu te perds un peu, tu vois. Il y a un truc qui m'a gêné, c'est que pendant un moment, bah, tu vois Robert Jr. vieillir et tout, et tout d'un coup il vient super vieux. C'est... Oui, ça... Tu passes d'une étape à une autre, et tu dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que parce que c'était... Il y avait rien à raconter, ou je sais pas, hein, je suppose, est-ce qu'il y avait rien à raconter à ce moment entre ces deux passages là, parce que pendant un moment, une seconde fois, on a 10 ans plus tard, oui. Il s'est rien passé, t'avais rien à raconter, et c'est un petit peu dommage parce que tout d'un coup, je sais pas, à ce moment il y a peut-être quoi là, 55-60 ans, ouais, c'est pas. Ça à peu près, et oui. tout d'un coup tu balayes et tu le vois dans une chaise, je fais ah, bah, tu okay. Éjectes totalement la mort de certaines personnes de son entourage. En plus, hein, c'est assez spécial. Hein. Mais voilà, donc ça m'a un petit peu gêné parce que tu dis, bah ok, tu passes, parce qu'en plus ça arrive vers les 1h50, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, à peu près. Tu passes pendant 1h30, tu racontes, tu détailles pas mal de choses et tout d'un coup, que tu mets une énorme claque et bah tu dis, mais pourquoi ? Pourquoi t'as gardé certains trucs spécialement utiles, comme j'ai évoqué tout à l'heure, et au final, après, tu balayes tout d'un coup. Bah oui, et je suis totalement d'accord avec toi. Et ce qui est dommage, c'est que justement, ce qui nous est proposé, le pire, bon, on parle de quelques scènes qui nous plaisent pas trop, mais la plupart du temps, moi, je trouve ça tout bonnement quand même passionnant et assez bluffant, oui. Stupéfiant. Mais surtout qu'il y a une très belle photographie, une très belle mise en scène avec des jeux de regard qui sont vraiment passionnants. Après, c'est pas des scènes forcément utiles, mais c'est tellement bien mis en scène que t'as envie, c'est de continuer à voir.
Ah oui. Mais quand tu gardes ça, alors qu'il y a certains éléments qui auraient peut-être plus importants qui ne figurent pas, après, une fois de plus, je ne connais pas entièrement la vie de Chaplin, donc oui. Je pense que, de toute façon, un biopic sur 2h15, tu ne peux pas parler tout un artiste, surtout un immense artiste comme celui-là. Donc, bien sûr. C'est compliqué, il a dû sucrer certaines choses, mais je trouve qu'il aura dû sucrer d'autres choses. Bah, et pourtant, saler plus d'autres. Oui, voilà, c'est ça. Et pourtant, en parlant d'assaisonnement, justement, c'est un peu la volonté du film, c'est-à-dire que on nous raconte en soi, évidemment, bon, c'est un biopic, on nous raconte la biographie, la vie un peu du personnage, de Chaplin, de la personne, et on s'appuie sur cette idée quand même que, si tu veux, voilà, on suppose, on sait pas très bien d'ailleurs, mais c'est un journaliste manifestement qui vient le voir quand il est vieux et qui lui demande de certains éclaircissements sur sa vie. Donc après, on essaie de te faire comprendre que c'est le principe, tu vois, on va se focaliser sur certains moments précis, il faut accepter l'idée que le film, du coup, soit décousu dans sa narration, tu vois. Le film a l'air conscient de cela, et en soi, c'est artificiel, parce que, le principe même, là, ce qu'on lui reproche un peu, manifestement, c'est plutôt voulu, tu vois. Après, bon, on peut le reprocher. Oui, c'est peut-être voulu, mais après, je trouve ça un peu triste, personnellement. Oui. Mais c'est mon avis personnel, parce bien que sûr, je préférais voir autre chose autrement. Si c'est voulu, bah, et qu'il l'assume entièrement, le réalisateur, le scénariste, je n'ai aucun problème là-dessus. Si c'est un choix artistique, je n'ai aucun problème là-dessus. Mais moi, justement, qui ne connais pas assez bien la vie de Chaplin, j'aurais bien voulu peut-être avoir un peu plus d'éléments. Après, une fois de plus, je ne connais pas entièrement, voire pas, je connais très peu de choses sur cet homme. Donc, oui. Je ne sais pas, c'est beaucoup de liberté, une fois de plus, on l'a déjà évoqué plusieurs fois. Donc, j'aurais bien voulu en savoir peut-être un petit peu plus. Bah oui, je te comprends. Ça fait peut-être un peu. Bah, de toute façon, ça fait un peu documentaire. Bon, c'est parfois un peu aussi ce que je reproche au biopic, un petit peu. C'est, ça fait très. C'est-à-dire que le film nous fait comprendre beaucoup, mais pas totalement, parce qu'il en a évidemment conscience. Hein, c'est impossible, tu l'as très bien dit. Sur 2h15, 2h20, c'est évidemment impossible de tout raconter. Peut-être que l'erreur, selon moi, c'est de donner trop d'importance à certains personnages qui vont, comme tu le disais très bien, par la suite être assez, bon, oui, expédiés en soi. Hein. C'est pas, pour moi, c'est pas très normal de donner autant d'importance, par exemple, à sa mère, qui est jouée par la vraie fille de Charlie Chaplin, Geraldine Chaplin. Hein, pour le clin d'œil, c'est quand même assez marrant. Mais voilà, bon, au-delà de ça, c'est dommage, parce que pour moi, tu vois, la première heure et demie du film, pour moi, c'est tout bonnement rafraîchissant. Tu vois, c'est un biopic, vraiment, comme j'en vois peu, qui est complètement. Enfin, qui n'est pas normé, tu vois, qui fait du bien. Et à un moment. Et puis même son intro où Chaplin est enfant, mais oui. J'ai eu des moments de tension, mais qui sont vraiment extraordinaires. Oui, et puis c'est très marrant. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que le biopic repose beaucoup sur l'idée qu'on sait globalement, comme tu le disais, on connaît peut-être pas forcément très bien sa vie, mais on connaît les grandes lignes, quoi, tu vois. Et donc voilà. Dès le début, t'as des petites références, bon, avant l'heure, avant-gardiste, on va dire, mais c'est jamais lourdingue. Hein. Pour moi, le film, on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais je le trouve très très subtil, peut-être parfois trop, au point d'en oublier certains éléments, peut-être, c'est peut-être le problème. Ah oui, quasiment. Je suis assez d'accord avec toi. Mais après, je sais pas, il y a combien de personnages dans ce film qui sont censés être importants, parce que c'est peut-être vraiment là-dessus que ça se joue. Je sais pas, c'est pas moi qui pourrais répondre à ça. Non, parce que tu vois, il y en a au moins une dizaine où, sur lesquels on se concentre un peu, bon, éperdument, on va dire, hein, c'est un peu la chose, quoi. Mais après, je ne sais pas, est-ce que tu connais bien la filmographie de Chaplin, ou tu as vu quelques films de lui? J'ai dû en voir quelques-uns petits, et je reconnais que à mon grand regret de n'avoir vu, d'avoir très peu de connaissances de sa filmographie, et je te cache pas que avec ce film, ça me donne envie de découvrir un petit peu plus. C'est déjà bien, oui, tant mieux, parce que bon, moi, je te cache pas, j'en connais pas non plus 150, hein, parce qu'il en a réalisé, bon, il a tourné dans beaucoup de films, ça on le comprend dans le film, mais c'est ce qu'on nous explique beaucoup. Mais dans le générique de fin, il dit combien oui. Il avait réalisé de films et tout. Il en a réalisé, je crois, sur 54 ans, 87, me semble-t-il, c'est énorme. Hein. C'est ça, et dont 20 par l'an, si j'ai pas de bêtises, je crois. Peut-être ou pas. 7, je sais plus. 5 ou 6. Ah, oui, je ne sais plus. Oui, j'ai plus les chiffres en tête. Bon, bref, en tout cas, tout est dit dans le générique de fin. Voilà, tout est dit dans le générique de fin, et c'est pas mal pour moi. Tu vois, il y a un truc qui est quand même très réussi selon moi, et je sais pas ce que t'en penses, mais moi, clairement, je suis pas anti-biopic non plus. C'est pas un principe de ne pas aimer les biopics, il y a des biopics que j'apprécie, mais ici, quand même, ce que je trouve assez admirable, c'est que Charlie Chaplin et
ici c'est Charlie Chaplin, mais ça pourrait être n'importe qui, mais des fois dans les biopics, les personnalités deviennent des stars, deviennent des personnes totalement accomplies artistiquement, mais j'arrive jamais trop à y croire parce que j'ai l'impression que ça pourrait être un peu le destin de tout le monde, tu vois, et même si on essaie de nous montrer la difficulté pour arriver à un tel parcours. Alors qu'ici avec Chaplin, il y a quand même cette idée qu'on se concentre évidemment sur ses grands succès. Bon voilà, Le Dictateur, on parle de La Ruée vers l'or, on parle de The Kid, etc. Mais en même temps, je trouve qu'on s'en détache totalement. On est quand même plus là à se concentrer sur l'humain avant tout, entre ses interactions avec, dans la vie de tous les jours en soi. Et du coup, je trouve qu'on arrive vraiment à comprendre que ici, Robert Downey Jr., c'est pas n'importe qui, c'est bien Charlie Chaplin. Et on peut pas tous être Charlie Chaplin parce que voilà, il y a même un moment, tu vois. Franchement, j'ai été bluffé. Hein. Oui, tu vois, parce que pourtant on nous montre des images d'archives où on voit, bah, en soi le vrai Charlie Chaplin, mais ça nous perturbe pas qu'on ait affaire à Robert Downey Jr. tout le reste du temps. Et voilà, pour moi, il n'a pas juste incarné le personnage, il n'a pas juste joué, il était possédé par le rôle. Bah, c'est vrai que t'as l'impression qu'il habite totalement l'artiste, ah, mais quoi. Oui, hein. Franchement, je l'ai trouvé extensible, mais ça fait bizarre, hein, Robert Downey Jr., mais presque parfait, presque parfait. Bah, presque parfait. Bon, après, petit regret me concernant, cette fameuse histoire, comme on le disait, là, de vieillir à un moment notre cher Charlie Chaplin. Bon, là, c'est pas la faute de l'acteur, mais le maquillage est un peu calamiteux, on va dire, selon moi. Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a émis du papier mâché avec du chewing-gum. Bah oui, c'est ça, et du coup, tu comprends pas trop les expressions, c'est-à-dire que vers la fin, je te cache pas. Il y a des petites larmes, et généralement, le voir en larmes à la fin, oui. J'ai trouvé ça beau. Oui, non, mais tu vois, mais malgré tout, bon, lui, il verse une larme, d'accord. Moi, j'avoue que cette fin, évidemment, m'a plu. Bon, on fait pas vraiment de partie spoiler parce qu'en soi, bon, ça retrace vraiment la vie du type, hein, il y a rien de vraiment très surprenant. Mais pour ma part, tu vois, j'ai quand même un petit peu de mal, si tu veux, quand même, à voir Robert Downey Jr. en tant que vieux, mais c'est pas de son fait, hein, c'est pas à cause de son talent qui serait limité ou cataclysmique, c'est pas ça du tout, hein, mais voilà, on va dire que Robert Downey Jr. en Charlie Chaplin de, je ne sais pas moi, j'ai pas vraiment retenu les dates, mais on va dire de la trentaine, la quarantaine, jusqu'à la quarantaine, ouais, ça passe, mais après, c'est un peu bizarre parce que t'as l'impression qu'il est, le film le rend hideux malgré lui, je sais pas, j'ai un peu du mal, non? Ah, c'est un petit peu dur, je trouve, mais bon. Il a l'âge qu'il a, hein, quand t'as 80 ans, tu peux pas prétendre évidemment avoir le physique de Robert Downey Jr. quand on a 25, mais bon, c'est. Il avait 27 ans à l'époque. 27 ans, ouais, bah oui, mais tu vois, bah, à la rigueur, presque prenez un autre acteur, je sais pas, mais là, j'avoue, ça m'a un peu fait peur. Après, voilà, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas autant d'efficacité pour faire de beaux effets spéciaux pour vieillir les gens. C'est vrai. Donc voilà, c'est pour ça qu'on utilisait plus du maquillage. Bah là, je sais pas, le maquillage ne fonctionne pas trop, je trouve. Alors qu'à l'époque, on avait déjà réussi à faire vieillir des personnages, quoi. Oui. Et puis, après, c'est peut-être pour faire une référence, tu sais, un petit peu au personnage de Charlot. C'est-à-dire, tu sais, Charlot, il se met un petit peu de la poudre blanche pour être bien dans ses films muets en noir et blanc. Bon, c'est peut-être une référence, je sais pas trop. Peut-être qu'il y a une petite, bah, tu vois, si comparaison. C'est une référence, c'est pas très subtil, tu vois. Bah oui, là pour le coup, peut-être pas trop, c'est vrai. J'avoue que je ne sais pas trop, mais après, bon. Après, le personnage, je trouve pas mal, mais peut-être pas toujours assez exploité. C'est, tu vois, ce fameux journaliste qui le questionne. C'est pas mal parce que ça le met un peu, je trouve, à la place du spectateur, tu vois. Mais en même temps, comme on n'a pas l'impression d'en apprendre non plus. Énormément, même si on peut être passionné par ce qui est dit, peut-être que ça limite un petit peu la portée du film, peut-être, non, je ne sais pas ce que ouais, t'en penses, peut-être, non. Peut-être. Enfin voilà, mais en tout cas, je pense qu'on peut quand même le conseiller. On fait le tour maintenant. Oui, voilà, mais je pense qu'on peut le recommander chaudement en conclusion, Nico, qu'en penses-tu? Ah ben oui, complètement. Et n'hésite pas, vas-y, fais-toi plaisir pour ton avis global final et ta note qui nous intéresse. Alors c'est un film que j'ai vraiment bien apprécié, je suis très content de l'avoir découvert grâce à toi, avec un Robert Downey Jr. que je trouve génialissime. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, Robert Downey Jr. ce n'est pas juste Iron Man, il a une carrière avant. Et voilà, je tiens à le signaler. Voilà, une mise en scène vraiment bonne, une belle photographie, puis je trouve qu'il y a quelques moments charmants.
émouvant, touchant, parfois un peu inutile. Mais voilà, allez, j'hésite entre 7 et 8 sur 10 parce que j'ai passé un très bon moment. Donc peut-être, allez, ce sera un très beau 7 sur 10, mais si je le revois plus tard, peut-être ce sera peut-être un 8. Ah, bah écoute, je suis ravi parce que c'est vrai que tu l'as très bien dit. Bon, on a l'habitude maintenant de parler de Robert Downey Jr. Les trois quarts du temps, si ce n'est tout le temps. Bon, voilà, dans son rôle d'Iron Man. Bon, moi j'aime beaucoup l'MCU. C'est dommage, mais ce qui est dommage, c'est que avant que, excuse-moi de t'avoir coupé, non, vas-y, c'est qu'il a prouvé à une époque qu'il était un mec talentueux, et ça me rend triste d'avoir Robert Downey Jr. qui s'enferme dans Iron Man, et même quand il fait d'autres rôles comme Sherlock Holmes ou Dr. Dolittle, bah, le problème c'est qu'il a joué tellement Iron Man, il n'a pas fait grand chose entre temps, bah, il a toujours le même genre de jeu, alors que là ce n'est pas le cas, c'est qu'il a pu prouver que c'était un excellent acteur, et ça me rend triste de voir Robert Downey Jr. qui est si talentueux, bah, de faire le même registre, même ou alors le même genre de jeu, alors qu'il joue d'autres rôles. Et ça, c'est un peu dommage. Je te comprends, mais justement, c'était un peu l'objectif, je l'avoue ici, mais bon, Nico le savait, hein. C'est-à-dire que voilà, on parle souvent donc de Robert Downey Jr. Un petit peu, d'ailleurs, c'est un peu le même principe pour moi avec Johnny Depp, hein. On aura peut-être l'occasion d'y revenir un jour. Mais bon, c'est-à-dire que pour moi, ce sont de très bons acteurs dans leurs films à franchise. Mais oui, en effet, bon, ils restent cantonnés, c'est le cas de le dire, à un rôle spécifique. Quoi. En fait, ça dépend des acteurs. C'est que si Ah oui, bien sûr. Un jour, on pourrait faire un débat là-dessus d'ailleurs. Le problème, c'est quand les acteurs n'ont font pas d'autres rôles, que ce soit par choix ou parce qu'ils n'ont pas de proposition. Il a dû en avoir. Pas autre chose que leur zone de confort, comme beaucoup d'acteurs. Hein. Johnny Depp, Robert Downey Jr. sont pas les seuls. Mais oui. Quand on voit qu'il y a des acteurs que, en plus de leur franchise principale, entre guillemets, celle qui rapporte le plus de pognon, arrivent à faire d'autres choses, comme une Scarlett Johansson, par exemple, qui a fait beaucoup de rôles en Black Widow. Oui. Par exemple, hein, parce que on parle de Robert Downey Jr., ou même Tom Holland, par exemple, qui arrive à prouver que, voilà, ils ont beau avoir leur zone de confort, ils arrivent à faire autre chose. Et c'est là qu'on voit, pour moi, les bons acteurs. Et ça m'en triste. Bah, Johnny Depp est un très bel exemple. Oui. Bah, depuis Pierre des Caraïbes, bah, il s'est un petit peu... surtout après le 4, hein, je dirais. Il fait un peu trop... C'est dommage, après le meilleur. Le même jeu d'acteur, quoi. Oui. Non, mais voilà. Mais en tout cas... Voilà, c'est... Le bateau a coulé pour... C'est un peu trop étendu. Non, mais voilà. Non, mais en tout cas... Non, mais tout ça pour... Du coup, toi, ta note est pour conclure. Voilà. Alors, justement, moi, je mets à ce film un 7 sur 10, hein, un peu comme toi, du coup. Bon, un 7 sur 10 un peu plus maigre, on va dire, peut-être. Mais voilà. Moi, je suis content parce que je l'ai revu. Je l'avais vu vraiment petit. Il m'avait plutôt marqué, et de toute façon, ce qui est marrant, c'est de constater que le sujet du film est important. C'est-à-dire que si Charlie Chaplin ne vous intéresse pas, ça va être un petit peu dur de vraiment d'être galvanisé, on va dire, en soi par ce métrage Chaplin. Voilà, mais vraiment, moi, c'est un film qui me plaît. J'ai même d'ailleurs, on a oublié d'en parler, mais moi, j'avoue que j'ai même à certains moments vraiment rigolé en voyant les personnages, parfois même regarder le vrai Charlie Chaplin dans les images d'archives, tout ça. Ce qui n'est pas voilà, il y a plusieurs éléments du film qui sont d'un certain brio, et je pense que voilà, ce film est à voir à voir de temps en temps, bon, peut-être pas non plus tous les 4 matins, mais c'est à regarder tous les 6 matins peut-être. Oui, pourquoi pas, après tout. Mais en tout cas, voilà, disons que si vous voulez voir Robert Downey Jr. un petit peu ailleurs que dans le MCU, je pense que c'est un film bien choisi par excellence. Non, et en plus, il est assez accessible, je trouve, comme film. Plus. Oui, c'est vrai, oui, t'as raison. Non, mais on est quand même d'accord. Donc, avec Nico, des fois, nous sommes d'accord sur les films et positivement, donc nous sommes contents, n'est-ce pas? Et c'est très rare qu'on est d'accord, et je suis très content. Ouf, on est sauvé. Alors, Nico, est-ce que tu es prêt? On est mort de rire. Est-ce que tu es prêt pour le mot de la fin, Nico? Oui. Attention, et à la prochaine!